بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc on va continuer la série de questions-réponses concernant les djinns. On s'était arrêté hier à cette question-là, la 24e question. Quel est le jour le plus dur pour Shaitan? Et on avait répondu que c'était le jour d'Arafa. Et Inch'Allah, c'est un jour qui est proche. Et donc je vous invite tous, Inch'Allah et moi-même, à jeûner et à invoquer Allah Azza wa Jal durant ce jour-ci, et même peut-être pour ceux qui en ont besoin de faire ruqya. Donc maintenant la 25e question. Est-ce que donc les djinns seront châtiés le jour dernier? Après vous avez la barre rouge qui se fume, vous pouvez après vous réfléchir et essayer d'y répondre, et voir combien de points vous avez, combien de réponses justes vous avez. Donc bien sûr la réponse c'est oui. Les djinns comme les ins, d'accord, ont un taklif, donc la position vis-à-vis de l'adoration. Donc ils doivent faire certaines choses qu'Allah Azza wa Jal, les choses qu'Allah Azza wa Jal a demandé, et éviter ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et ensuite donc ils iront au paradis ou en enfer. Ils seront châtiés selon leurs actes, exactement comme Al-Ins. C'est pour ça que Dieu a dit wa ma khalaqtul jinna wal ins, je n'ai créé les djinns et les ins illa liya'budun, kafa, qu'ils m'adorent. Donc vous voyez qu'on est sur le même piédestal par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à la différence que nous sommes de nature différente. 26e question. Combien de fois le terme djinn a été cité dans le Coran? Alors bien sûr la réponse va faire plaisir à tous ceux qui sont dans le domaine de, on va dire, les numéros, la guématrie dans le Coran, car c'est le chiffre 19. 27e question. Est-ce que les djinns donc se marient et ont une descendance? Bien sûr, ils se marient et ont une descendance. Il faut savoir que les djinns ne font pas des enfants comme Al-Ins, mais le prophète parle de Yabidun, ils font des œufs. Et il faut savoir que le lieu, car je n'ai pas vu encore cette question dans cette vidéo, je ne l'ai pas vu entièrement, le lieu où les djinns font en fait leurs enfants, c'est dans les souks. Car c'est les endroits les plus, on va dire, qui réunissent le plus de turpitude, surtout concernant les musulmans. D'accord, on ne parle pas ici de boîte de nuit où il y a un public bien ciblé, mais le souk, tout le monde peut être dans le souk. Celui qui est pieux, celui qui ne l'est pas, le juif, le chrétien, l'athée, tout ce que vous voulez. D'accord. Et dans le souk, ben, les gens y jurent, les femmes, elles se font belles. Il y a les gens qui volent, il y a ceux qui jurent sur Allah Azza wa Jal pour vendre, ils te disent prie sur le prophète pour te vendre une marchandise. Il y a le riba, l'interrogeur, franchement il y a énormément, pour la liste serait vraiment longue. 28e question. Combien de nœuds donc le djinn shaitan fait avant que vous vous endormiez? Il fait 3 nœuds, ceci afin de rendre votre sommeil très lourd et de rater la Sourate al-Fajr. Et ceux qui veulent s'assurer de la véracité de ce que je dis, lorsque vous levez pour vous mettez votre réveil pour le Fajr, que vous, vraiment vous n'arrivez pas à vous lever, dites juste Bismillah. Vous allez voir que déjà il y a un nœud qui se défait, et vous allez voir que ce sera plus facile à vous lever. Vous allez comprendre que réellement il y a des nœuds qui sont faits. 29e question. Donc, est-ce que le shaitan est faible ou fort? Donc ici, il a précisé que shaitan était faible. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui.
C'est un manque de connaissances dans les textes religieux et sur le sujet, mais c'est pas une mauvaise chose parce que la majorité aurait répondu la même réponse. Donc, Shaitan n'est pas faible. Le Shaitan a une puissance qu'Allah Azzajal lui a conférée. Certes, elle n'atteint pas le degré, aucunement il n'aura degré de la puissance d'Allah Azzajal, qui est une puissance incommensurable, illimitée. Mais Allah Azzajal lui a donné une armée, d'accord? C'est dans le Coran, c'est coranique. Il lui a donné une armée, des chevaux, des équidés. Il lui a donné même une arme qui est sa voix. D'accord? Certains disent que c'est la musique. Donc il arrive aussi à faire le waswas. Vous savez très bien qu'une des plus grandes armes de Satan, c'est le waswas. Le waswas, c'est pas rien. Parce que le waswas peut vous pousser à faire énormément de choses. Uniquement qu'avec la suggestion. Qui est le waswas. Le degré de la suggestion du waswas varie en fonction du contexte, des personnes, de votre faiblesse, de la faiblesse de votre foi, ainsi de suite. Mais les gens disent que Shaitan est faible en se basant sur le verset Inna kaida Shaitan kana dha'ifa. La ruse d'Iblis est faible, de Satan est faible. Mais là, on parle de ruse, d'accord? C'est-à-dire que la ruse de Shaitan, elle est faible lorsqu'elle fait face à des gens, à des croyants, à des gens qui sont forts. C'est pour ça que si vous voulez vous assurer de ce que je dis, il suffit de regarder lorsqu'Allah Azzawajal, Shaitan s'est parlé avec Allah Azzawajal et il lui a dit, et ils se sont mis d'accord et que Allah a accepté le délai qu'Iblis a demandé, d'accord? Et il lui a dit donc je vais tous les détourner de ton chemin, je les jetterai tous en enfer, je les pousserai tous en enfer. Je les pousserai tous à se détourner de toi. Et Dieu lui a dit, il l'a ibadi, comme vous savez, à l'exception de mes serviteurs sincères, al-mukhlasin, qui sont des serviteurs qui ont un pur tawhid, qui sont des monothéistes exclusifs, qui font que eux, Shaitan ne peut pas s'opposer contre eux, et Shaitan a acquiescé. Donc, et Dieu a dit, hada siratun alayya mustaqim, ceci est pour moi une voie droite. Donc, il y a eu, comme ça, comme un contrat. D'accord? Sur le fait que Dieu accorde un délai à Iblis, il lui donne des moyens pour tromper l'humanité. Donc, il faut savoir que les stratagèmes d'Iblis et son armée, ce n'est pas des petits stratagèmes, d'accord? Mais c'est des petits stratagèmes. Se réduit le stratagème et la puissance d'Iblis se réduit et du shaitan lorsqu'ils font face à des gens croyants qui s'en remettent à Allah Azzawajal. D'accord? Mais vous pouvez regarder, par exemple, ce qu'a fait Iblis au prophète Zacharia, ce qu'a fait Iblis, au prophète Ayoub, tout en sachant que ce sont des prophètes, d'accord? Donc il y a énormément d'exemples des actes d'Iblis, d'accord? Je ne parle même pas de son armée, à travers. Et en plus, certains disent que dans le verset, il est dit « Inna kayda shaitani kana da'ifa » Dans le passé, la ruse d'Iblis était faible, mais elle s'est renforcée avec le temps, avec le fait qu'il a eu de plus grandes progénitures, qu'il a eu une plus grande armée, son armée s'est agrandie avec le temps. Wallahu alam. 30e question. Quel est l'animal dont les djinns ont peur? Donc apparemment, il est dit que les djinns ont peur du loup. Certains disent que certains font même ruqya avec la tête d'un loup. Ils disent que les djinns ont peur réellement des loups. Certains disent que quelqu'un qui est possédé, il ne peut pas regarder, par exemple, regarder une vidéo où vous allez voir un loup, surtout si c'est, vous voyez bien sa tête et tout. En général, vous allez ressentir une petite peur. Donc, si vous voyez un loup comme ça et que vous ressentez une petite peur et qu'en plus vous avez des doutes que vous avez un problème occulte, peut-être, Allah alam, que ça peut être lié à ça, Allah alam. 31e question. Est-ce que donc les djinns seront jugés comme les ins, comme les humains le jour dernier? Et bien sûr, la réponse est oui, d'accord? Pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir que eux aussi, il leur est imposé d'adorer Allah Azzawajal selon ce qu'Allah Azzawajal a demandé au prophète dans le Coran et la Sunna, peut-être aussi avec certaines spécificités qui concernent les djinns. Les djinns ne mangent pas la même chose, vous le savez, le prophète d'ailleurs a dit pas mal de choses concernant ceci, d'accord? 32e question. À quel moment donc Shaitan va se moquer, va rire de l'homme?
lorsqu'il bâille. Donc lorsque vous allez bâiller, et ben à ce moment-là, Shaitan se moque de vous. Il rit, ça fait rire Shaitan quand vous bâillez. C'est pour ça qu'on dit que le fait de bâiller provient du Shaitan. Et souvent, quand personne écoute le Coran ou lui fait ruqya, ils ont tendance, les gens, à bâiller. 33e question. Combien Iblis a d'enfants? Donc ici, il est dit qu'il en a 5. Donc en fait, c'est des questions qui reposent sur des traditions, pas toujours authentiques. Donc certains vous diront qu'il en a 5, certains vous diront qu'il en a plus. Je vais vous faire lire quelque chose concernant ceci d'intéressant. Donc ici, on est sur le site de Islam Web. Donc quelqu'un qui pose une question, qui dit voilà, Iblis, excusez-moi. Le climatiseur, ça vous tue votre voix. Donc, quand vous passez du chaud au froid, ainsi de suite. Donc, ici, certains disent que voilà, Iblis aurait une descendance. Khanzab, Al-Walhan, Al-Ajdar, Al-Awar, Al-Ajdar, Shaysaban, Metron, Shamharosh, ainsi de suite. Donc, tous ces noms. Et chacun aurait une fonction. D'accord? Donc, là, il cite chaque shaitan. Al-Aqiyas, on en a parlé, vous vous rappelez, dans les 24 premières questions. Yamiqlas. Il y en a pas mal, d'accord. Tamrih, Dahar, ainsi de suite. Et donc ici, le Shir répond que ce qui est connu, c'est qu'il y a un chétan qui s'appelle Khanzeb, d'accord. Khanzeb, donc c'est celui, Khanzeb, qui vous fait le waswas dans la salat. Et donc vous allez crachoter, sans cracher, mais souffler trois fois à votre gauche. Et vous allez dire, A'oudhu billah, minash shaitan rajim. excusez-moi. Donc là, c'est un hadith rapporté par Muslim, d'après Othman ibn Abi al-As. D'autres citent Al-Walhan, de hadith d'Ubay ibn Ka'b, que dans le wudu, il y a un shaitan qui s'appelle Al-Walhan. Donc chaque shaitan a une fonction. Donc sûrement, Iblis doit se reposer en premier lieu sur sa descendance. Il a peut-être plus confiance en sa descendance parmi les djinns. Donc ici, ils disent que c'est un hadith qui n'est pas considéré authentique, en tout cas qui a été rendu faible par le Cheikh Albani, rahimallah. Mais quand même, il y a un hadith. Ici, on trouve dans celui qui a fait le Sharh d'Al-Bukhari, qui s'appelle Badr al-Aini, qui explique que, d'après Mujahid ibn Abbas, qui a dit que Iblis, il avait énormément d'enfants, d'accord? Et que tous ses enfants reposaient sur 5. D'accord. Donc il y a Shibr, Al-A'war, Mousawit, Wadassim, Wazalnbour, dont des noms un peu bon, bizarres qui correspondent en fait au monde des djinns. Hein. Vous avez bien vu qu'avec les noms, ce n'est pas les mêmes que chez les humains. Et que Muqatil dit qu'il y a un salaire, un prédécesseur, qui dit que Iblis donc, a 1000 enfants, d'accord, et qu'il. S'auto-copule, d'accord? Donc, moi je trouvais ça bizarre, mais ici c'est connu en fait dans les traditions et qu'ils disent voilà, Yalidou wa Yabid, donc il fait des œufs chaque jour tant qu'il veut. Donc, parmi ses enfants, Al-Madhab, Khanzab, Hafaf, Murra, Al-Walhan, Al-Mutaqadi, ainsi de suite. Donc, une liste de démons, chacun a une fonction. Ce qu'on sait, c'est dans un hadith, il est dit que Shaitan rassemble. Donc, c'est peut-être ses enfants, hein, mais en tout cas ceux qui sont à son service, les chefs, et chacun lui pose une question de ce qu'il a fait. Et celui qui recevra une couronne, c'est celui qui dit, j'ai réussi à séparer l'époux de son épouse. Il faut savoir que c'est lié, encore une fois, comme on va le voir, l'un des principaux sihr, qui est le sihr de la sorcellerie de Babylone. Trente-quatrième question. Est-ce que donc le shaitan, le démon, urine? Effectivement, le shaitan urine de surcroît dans l'oreille de la personne qui se lève pas pour la prière de nuit, comme c'est dit dans le hadith du prophète, alayhi. Et après, peut-être l'urine a des conséquences
Parce que bon, c'est pas si vous faites un Doppler ou un scanner, vous n'allez pas voir cette urine, mais cette urine existe. Et peut-être qu'à force, l'accumulation de cette urine-là va engendrer une calcification qui font que vous aurez du mal à entendre tout ce qui concerne le dhikr, le rappel d'Allah Azzawajal. Ensuite, la 35e question. Est-ce que les démons peuvent rentrer par les portes fermées? Par exemple, chez vous, est-ce que vous fermez une porte? La réponse est non. Les démons ne peuvent pas rentrer, mais il faut aussi citer le nom d'Allah Azzawajal et dire Bismillah, qu'on ferme votre fenêtre, surtout après la salat al-Maghrib, c'est là où les démons commencent à sortir. Il faut éviter aussi de laisser vos enfants sortir après le Maghrib, le crépuscule. 36e question. Est-ce que donc il est imposé aux djinns d'adorer Allah Azzawajal par les actes d'adoration? La réponse, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Donc c'est oui. 37e question. Est-ce que donc il y a des djinns qui copulent avec des femmes parmi les humains? Donc la réponse est oui. 'Donc quel est le compagnon qui a été tué par la morsure d'un serpent parmi les djinns? Donc c'était le jeune Al-Fata min Al-Ansar, parmi les Ansar, qui était un jeune marié qui avait demandé la permission au prophète lors d'une bataille d'aller chez lui pour voir son épouse. Il l'a trouvée dehors et s'est énervé en pensant qu'elle avait de mauvaises intentions. On lui a dit, écoute, avant de faire quoi que ce soit, va dans la maison, va regarder qui se trouve sur le lit. Il a vu un gros serpent noir. Il ne savait pas bien sûr que c'était un djinn, donc il a commencé à lui mettre des coups d'épée. Et en fait, il l'a planté avec une épée. Au moment où il l'a planté, le serpent l'a mordu en même temps. Et tous les deux sont morts. Et on ne sait pas qui est mort le premier. Le prophète a dit, là, quand vous voyez chez vous un serpent ou autre, avertissez pendant 3 jours, car vous ne savez pas si c'est un djinn parmi, par exemple, les musulmans. Car il a dit, il y a des musulmans, des djinns convertis, qui étaient présents à Médine. D'accord? 39e question. Quel est le prophète qui a attrapé Iblis par sa gorge? Donc, bien sûr, c'est le prophète Mohammed Ali qui, une fois attrapé un démon, l'a attaché à un pilier et a dit il a senti sa bave sur, ici, là, sur la main. D'accord? J'avais déjà raconté une fois que moi, personnellement, en rêve, comment dire, étrangler un démon de mes mains, comme ça, et que quand je me suis réveillé, il y avait l'odeur du soufre ici, à cet endroit-là, que je sentais pendant plusieurs jours. Et je vous mens pas que c'était agréable à cette période-là. Et donc le professeur Salam a dit, si c'était pas le fait qu'il n'avait pas envie, que si c'était pas la da'wa, l'invocation du prophète Sulayman de laisser ceci restreint étant qu'une prérogative du prophète Sulayman, il aurait laissé ce démon attaché au pilier, les petites de Médine se seraient amusées avec lui. 41e question. Donc quel est le compagnon dont les djinns ont peur, que les djinns ont peur de lui, dont les djinns ont peur de lui? Bien sûr, c'est Omar ibn Khattab. Il est dit que lorsque Omar ibn Khattab emprunte une voie, le shaitan qui le croise change de route. Il faut bien comprendre qu'on parle de shaitan, c'est le genre, d'accord? C'est-à-dire tous les démons, quels qu'ils soient. Certains pensent toujours quand on parle shaitan que c'est Iblis en personne, d'accord? Iblis c'est le chef, et ensuite il y a toute une hiérarchie, comme vous l'avez vu, et ensuite il y a des soldats, des gradés, ainsi de suite. C'est une organisation. Ne pensez pas que c'est quelque chose comme ça de désorganisé, de n'importe quoi. C'est une organisation. Iblis a une organisation, une armée, c'est comme un chef des armées, d'accord? D'ailleurs, dans le Coran, Dieu parle de soldats, d'accord? Tes fantassins, équidés, ou rijilik, à pied. Et cette armée, parfois, travaille aussi avec certains humains, d'accord? Une élite parmi les humains qui, eux, sont proches du monde de Iblis. 41e question. Quel est le prophète qu'Allah Azzawajal a mis à son service les djinns? Alors bien sûr, c'est le prophète Sulayman, d'accord, qui avait énormément de djinns parmi eux, des djinns plongeurs,
des jeans constructeurs et des différentes catégories donc de jeans. 42e question. Donc, quelles sont les qualités, on va dire, communes entre l'homme et le djinn? Alors ici, il est dit « al-aql wal-idrak ». Donc, l'aql, c'est la raison, l'idrak sont les sens avec lesquels vous pouvez comprendre et avoir la connaissance. 43e question. Donc, quelle est l'épée du shaitan, de shaitan? Donc ici, il a dit « Hubban Nissa », l'amour des femmes. Quand vous êtes attiré par les femmes, vous êtes toujours en fait emprisonné de vos passions. Et Ibn Qayyim explique très bien que c'est parmi l'un des plus grands vices, c'est celui-ci d'être attiré par les femmes, d'avoir constamment le regard posé sur les femmes. Ça pose réellement un vrai problème par rapport au cœur. Ce sont vraiment des flèches empoisonnées de Shaitan. 44e question. Donc, quel est le piège de Shaitan? Far Shaitan. Donc, ici, il s'est dit l'alcool, le fait de boire de l'alcool qu'on appelle Ummul Khaba'ith, la mère des turpitudes, parce que quand vous buvez de l'alcool, vous n'êtes plus dans votre état normal, ce qui va vous pousser à insulter la religion, ce qui va vous pousser à être injuste, ce qui va vous pousser à commettre un crime, ce qui peut vous pousser à faire des choses dont vous n'êtes même pas conscient, d'accord? Donc voilà le danger. Après, vous pouvez faire une analogie avec toutes les substances illicites qui font en sorte que vous perdez votre raison. Et après, vous êtes en réalité, il y a un débat entre les savants. Certains savants considèrent que vous n'êtes pas responsable de tout dès le moment que vous avez perdu la raison. D'autres disent non, c'est toi qui as bu l'alcool. Donc c'est toi qui as engendré, on va dire, cette perte de lucidité. 45e question. Donc pourquoi, quelles sont les causes qui font qu'Allah Azza wa Jalla décide de créer Shaitan? Donc ici c'est marqué Tahqiq al-Thawab al-Iqab. Donc il y a une sagesse par laquelle Allah Azza wa Jalla a décidé. Allah subhanahu wa ta'ala savait très bien que Shaitan allait revenir sur sa nature, qui est une nature un peu vif, hein, issue de, du feu. Et donc il a. Il a décidé donc de s'enorgueillir face à Adam et d'essayer d'égarer les adamiques, d'accord, et même les djinns d'ailleurs. Et donc tout ceci avec comme objectif de savoir qui vont bien, ceux qui va bien agir, ceux qui va mal agir, et ensuite soit le paradis, soit l'enfer. 46e question. Donc, parce que comme il manque ici une partie là, est-ce que, attendez, voilà, en fait c'est quelle est la limite, donc quelle est la limite du pouvoir de Shaitan sur l'homme, sur l'insan, sur l'humain? Donc il s'est marqué l'embellissement des péchés, d'accord? Donc Shaitan a un pouvoir d'embellir vos actions afin de vous pousser vers le mal, d'accord? Et on sait très bien que en enfer, Shaitan dira, tout le monde va dire à Satan, c'est de ta faute, tu m'as trompé, c'est toi qui m'as envoyé en enfer. D'ailleurs, Satan ne sera pas le seul à être, à être réprimandé, à qui on va se plaindre. Il y aura aussi le Dajjal, parce que dans le Coran, on parle d'Alladhaini, les deux, Adallana, qui nous ont égarés, Minal Jinn et Wal-Ins, qui sont deux catégories, parmi les djinns et parmi les ins. Dajjal fait partie de la catégorie d'Al-Ins, même s'il y a une partie djinnique. Et donc, à ce moment-là, Shaitan dira, ne vous en prenez qu'à vous, d'accord? Je n'avais de pouvoir que la suggestion. Et ensuite, vous m'avez suivi. Donc, s'il y a un fautif, c'est vous. Je ne vous ai pas poussé. Shaitan jamais vous poussera, jamais vous prendra par la main. Il ne vous ramènera pas dans une boîte de nuit. Il ne vous ramènera pas, il ne poussera pas à faire le zina ou à boire de l'alcool, ainsi de suite. Il va vous chuchoter à l'oreille et c'est vous qui allez faire le reste. Des fois, le waswas est fort. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un terrain
il y a un terrain fertile justement pour ce Wes-Wes et pour fermer la porte au Wes-Wes pour avoir une force qui fait que vous puissiez repousser le Wes-Wes du Shaitan. Il faut faire énormément de dhikr. Dhikr, c'est le rappel d'Allah Azzawajal. 47e question. Quelle est la chose qui fait le plus plaisir à Iblis? Donc on l'a vu, c'est le fait de séparer l'époux de son épouse. Pourquoi? Parce que vous avez détruit la cellule familiale. La cellule familiale, c'est détruire la Ummah. Détruire la Ummah, c'est le projet d'Iblis de détruire l'humanité. D'accord? Même s'il sait qu'il ne pourra pas détruire l'humanité dans son entièreté, qu'il y aura toujours un groupe minal mukhlasin. D'accord? Mais il désespère jamais de réussir. C'est pour ça que la sorcellerie de Babylone, elle est efficace parce qu'elle se base sur la chose qu'aime le plus Iblis, qui est donc le fait de diviser l'époux de son épouse. 48e question. 40, j'ai un problème avec ça. 41, 40, 48e question. Quels sont les enfants que Iblis aime le plus, de ses enfants qu'Iblis aime le plus? Donc c'est Dassim. Dassim fait partie de la liste de ses enfants, comme on l'a vu. 49e question. Quel est le shaitan qu'on appelle le compagnon du mensonge, le menteur? Donc c'est Sot. Saut, donc c'est lui, ce démon qui a comme fonction de pousser les gens à mentir et de propager le mensonge. Parce que aussi le mensonge, quand une personne se met à mentir et qu'elle est capable de mentir à autrui, donc c'est-à-dire qu'elle ne se respecte pas elle-même, et donc y a pas de respect, mais aussi y a pas de, Aman n'en est pas en sûreté avec cette personne-là, elle est capable de tout faire. 51e question, la dernière question. Donc, qu'est-ce que Iblis a demandé à Allah en échange de son adoration? Donc, Al-Qudra ala Irwa al-Bashar, comme on l'a dit. Donc, Allah a accordé un délai à Satan, d'accord? Mais lui a donné aussi la possibilité d'égarer les humains. Si ce n'est cette permissivité, Iblis n'aurait pas pu égarer l'ensemble de l'humanité. D'accord? Donc Allah lui a donné les moyens d'égarer l'humanité, même de faire du mal aux serviteurs d'Allah, comme le prophète Ayyub alayhi salam. Dieu dans le Coran dit Inni massaniya shaytanu binusbin wa adab, shaytan m'a touché de fatigue et de châtiment. Donc c'est-à-dire que même le démon torturait le prophète Ayyub. Mais simplement, Allah a protégé cette faction parmi les croyants du fait que Iblis puisse avoir un pouvoir sur la aql, la raison, perte totale, prise totale de la raison de la personne. Et heureusement, alhamdoulilah, ya rabbil alamin. Donc on va s'arrêter là, on continuera, inch'Allah, le reste des questions. Il restera exactement 25 questions et on les fera dans une autre vidéo en espérant que ça vous a plu. Je suis désolé, j'ai pas voulu mettre un fond comme ça d'anachide ou autre. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonnez. Je vous remercie pour vos commentaires. Réagissez et dites-moi ce que vous pensez de toutes ces questions-là. Salam à tous.